Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser le cadenas pour vous débloquer vous-même. OK? Il y a deux utilisations à ce cadenas. Maintenant, ce qui compte dans la spiritualité, c'est l'intention. Donc, il me met comme ça là. Ce que je charge ici, c'est ça qui va donner. Quelqu'un peut utiliser le cadenas pour bloquer ta vie. Quelqu'un peut pas le cadenas. C'est pour ça qu'on passe souvent déterrer les choses, on trouve les cadenas dans les cours de vos maisons. Parce que quelqu'un a dit que comme je scelle le cadenas là, toute personne qui est dans la maison-ci, qui sort de cette maison, qui est née dans la maison-ci, qui est descendant de cette maison, ne va pas avancer. Il vient enterrer ça. C'est comme ça qu'on vous bloque. Donc maintenant, le cadenas, quand vous l'utilisez, vous devez prendre un cadenas qui est toujours neuf. Donc j'utilise les cadenas dans les nettoyages, quand je fais les lavages. Donc il y a la première utilisation, c'est genre, tu dis tes intentions, tu ouvres le cadenas neuf, tu dis tes intentions, tu bloques. Et tu dis que tu scelles tout ce que tu viens de dire. Tu dis que personne ne parle à l'encontre de ça. Maintenant, la deuxième, ce dont je vais vous dire aujourd'hui. Tu prends le cadenas qui est neuf. Petit, grand, ça dépend de toi. Si vous me suivez depuis un certain temps, vous devez savoir que je le dis toujours. Vous devez avoir les intentions. Qu'est-ce que tu veux? What do you want? Tu ne dois pas être comme ça là que élan, tu ne sais pas ce que tu veux dans ta vie. Qu'est-ce que tu veux? Je veux la consultation. Ok, tu veux qu'elle te consulte. Tu veux quoi? What do you want? Qu'est-ce que tu veux pour ta vie? Tu dois t'asseoir, tu écris ce que tu veux. Tu écris ce que tu veux. Maintenant, tu prends ton cadenas. OK? C'est ouvert. Tu déclares que comme je viens de dire tout ça là, tu lis, je veux 5 millions avant tel, je veux 15 millions, je veux 50 millions, je veux 100 millions. Je veux construire ma maison d'ici juin 2022. Je veux, tu lis tout ce que tu veux. Je déclare maintenant. Comme ce cadenas-ci est fermé, dès que quelqu'un va ouvrir le cadenas-ci, il vient débloquer mes finances. Tout ce que je viens de dire là, il va débloquer. Que dès qu'on va ouvrir le cadenas-ci, c'est ma vie financière qui est débloquée. C'est ma vie, c'est ce qui est débloqué. Tu dis ça. Dès que tu fais ça maintenant, vous pouvez faire ça en paire. Donc, si tu es avec ton mari, tu es ta femme. Quand tu dis pour toi, ce n'est pas la personne qui a scellé qui est toi. Ça ne doit pas être la personne qui va ouvrir. Ça doit être toujours une autre personne. Donc, tu finis, tu scelles comme ça là, non? Maintenant, tu échanges avec ton partenaire. Ou bien tu prends, tu lances ça quelque part où les gens vont passer. Mais pour que ça ne tarde pas et que tu sois sûr qu'on va ouvrir le cadenas, si, n'attends pas. Prends, tu dis que, ok, on s'entend. Nous deux, comment on fait le rituel ensemble? Tu ouvres ma page, ouvre pour toi. Bon, il faut t'assurer que la personne n'a pas le mauvais cœur sur toi. Parce que la personne peut prendre une nouvelle pas. Parce que comme tu viens de sceller là, non? Tu as scellé tous tes désirs. Tu as scellé tous tes désirs. Maintenant, quand tu vas, dès que quelqu'un va prendre le cadenas, il va faire ça là. C'est ta vie qui est ouverte. Il vient de débloquer ta vie. Tu dis que dès que ce cadenas va être ouvert, c'est ma vie qu'on est en train de débloquer. Tu finis maintenant de prier, tu mets tes intentions dessus. Tu déposes, tu donnes à la personne qui est devant toi. Vas-y. Il scelle, il ouvre, clic. Dès qu'il ouvre comme ça là, tu as reçu ta libération. OK? Tu as reçu ta libération. Maintenant, si tu fais le rituel toi-même, cherche toujours quelqu'un qui va ouvrir pour toi. Ou même, tu peux pas te dire que tu pièges quelqu'un, hein, mais tu fais le rituel, tu n'as personne autour de toi, tu es seul. Tu parles, tu demandes à quelqu'un que, vois un peu si le cadenas, il marche. Dès qu'il prend, il ouvre. C'est pour ça que quand on voit le cadenas, il faut faire attention. Quelqu'un peut sceller le cadenas et dire que celui qui va ouvrir le cadenas, il prend ma malchance. Et toi, tu peux ouvrir ça comme ça, là, tu ne sais pas, tu prends sa malchance. Donc faites aussi attention. Je vous assigne sur ça pour que vous sachiez. Donc voilà, je vais vous montrer comment on peut se débloquer soi-même avec le cadenas. Mais bien sûr, avec l'assistance de quelqu'un d'autre. Donc, donnez-moi un pouce pour cette vidéo. Je déclare que quand vous allez faire vous-même votre travail, vous allez voir votre PC au nom puissant de Jésus. Je viens contre tout ralentissement dans votre vie. Tapez Amen. Voilà. Je vous remercie.